bien, voilà, nous voici sur la croisette. Et comme par hasard, je rencontre Fred. Fred, ça fait des années maintenant que je te connais. Ça fait longtemps. Hein. En plus, là, regardez, hop là, il a un gros matos. Hein. Alors, bien sûr, je parlais de la caméra. On est bien d'accord. Puisque ça fait un petit moment qu'il n'y a plus les outdoors au Festival de Cannes. Ça fait quelques années, c'est dommage. Quelques années. Pas mal. Ouais, ça donnait un petit peu de piquant. On a bien rigolé à cette époque. C'est hein. Vrai. Donc là, aujourd'hui, que fais-tu sur le festival? Alors là, évidemment, ce n'est pas la outdoor, mais quelque chose de beaucoup plus sérieux qui s'appelle Regard Jeune sur le cinéma. Voilà, j'encadre des jeunes, je les accompagne à aller voir des films. Et ensuite, on va faire un reportage ensemble. Un reportage sur le cinéma. Sur le cinéma, en tout cas sur le film qu'ils ont vu. Sur le film qu'ils ont vu. D'accord, et ça va être visible où tout ça? Sur la plateforme web qui s'appelle Regard Jeune sur le cinéma. Regard Jeune sur le cinéma, cool. Bon, bah, on va se croiser sur tout le Festival de Cannes. J'espère qu'on va bien s'éclater. L'année dernière, c'était un peu plat. Ouais. J'espère que pour la 70e, ça va un peu bouger. Bouger plus. On m'a dit qu'il y avait le studio Canal qui était venu. J'ai entendu parler, je ne sais pas où ils sont. Tu ne sais pas où ils sont. D'accord. Peut-être au bout de Martinet. On verra bien. En tout cas, Fred, ça me fait super plaisir de te revoir. Mais depuis le temps, on se voit chaque année. Et ta soeur va venir? Oh, sûrement, elle va faire un petit tour. Ouais, on va se recroiser au Martinez. Il y a moyen. C'est notre QG. Ok, super. En tout cas, j'espère que vous profitez vous aussi des petites vidéos que l'on fait pour pouvoir profiter indirectement du Festival de Cannes. Vous qui êtes restés chez vous un peu partout en France ou dans le monde, qui suivez les vidéos. En tout cas, on va essayer de vous faire profiter de tout ça le plus possible. À très bientôt.